Nous sommes heureux, chers téléspectateurs, de vous retrouver pour une nouvelle émission Parlons droits humains. Aujourd'hui, nous allons échanger sur un nouveau thème avec un nouveau invité, pour ne pas dire une nouvelle invitée. Employabilité des jeunes au Burkina, défis et opportunités dans un contexte d'insécurité, c'est le thème d'aujourd'hui. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir une jeune dame, une entrepreneur, elle est chef d'entreprise. Elle a été Miss en 2017, c'est important de le préciser. Et c'est elle, notre invitée d'aujourd'hui. Et tout le plaisir est pour moi de la recevoir sur ce plateau. Soyez les bienvenus sur notre plateau, Madame Princesse Poadiagé Assoué. Merci. Alors, d'entrée de jeu, en 2017, avec une couronne, aujourd'hui entrepreneur, déjà, comment s'est opérée la transition? Il n'y a pas eu de transition, j'étais déjà entrepreneur. J'étais à mes débuts depuis 2016-2017 et donc c'est juste une continuité. Déjà, Princesse Poadiagé, pour entrer même dans le sujet, est-ce que en tant que jeune entrepreneur et dans un centre urbain comme Ouagadougou, est-ce que l'insécurité impacte vos activités? Oui, bien sûr, l'insécurité impacte les activités sur toute la chaîne de production. Parce que si ça ne va pas en milieu rural, si ça ne va pas dans les provinces du Burkina, forcément, il y aura un impact au niveau des grandes villes telles que Ouagadougou. Et il faut noter que l'insécurité a fait baisser énormément les chiffres d'affaires. D'abord, il y a eu Covid, l'insécurité depuis, en plus de Covid, en 2019-2020. Et avec cette insécurité qui continue, beaucoup d'entreprises se sont vues fermer. Beaucoup ont dû même compresser en fait, le nombre d'employés pour pouvoir faire face à cette crise sécuritaire et en même temps crise économique que nous traversons. Et donc à notre niveau, nous avons eu du mal à nous réadapter en fait, à cette situation. Nous avons dû revoir certains nombres de nos produits, de revoir également les coûts de fabrication, de revoir les prix de vente de certains produits pour pouvoir s'adapter à cette nouvelle cible. Parce qu'avant, on vendait beaucoup avec des expatriés et également avec la situation du pays, on s'est vu réduire le nombre de visiteurs au Burkina Faso, donc ça fait que le chiffre d'affaires a beaucoup baissé et donc il fallait trouver des moyens pour voilà, se réadapter et puis pouvoir traverser tout doucement cette crise. Dans ce contexte d'insécurité, nous assistons à un déplacement massif de certains jeunes des zones rurales vers les zones urbaines, notamment Ouagadougou, Bobo Dioulasso et même Koudougou actuellement. Est-ce que finalement, cette mobilité des jeunes ne pose pas problème dans la recherche d'emploi ou disons même dans l'insertion professionnelle des jeunes de façon générale au Burkina Faso? Okay. Il faut noter que non seulement le marché de l'emploi était déjà très fermé, même en situation normale. Et dans les centres comme Ouagadougou, les jeunes avaient déjà du mal à trouver de l'emploi, que ce soit dans les métiers professionnels ou dans les métiers basiques tels que le manœuvrage. Et donc avec l'arrivée de ces personnes déplacées, ça va créer encore un manque criant d'emploi. Et souvent, ces jeunes sont obligés de se déplacer encore dans les pays voisins tels que la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Bénin, pour essayer de trouver des petits métiers et pouvoir s'en sortir. Donc c'est d'où là l'importance de la formation de ces jeunes-là qui arrivent sans grande compétence parce qu'ils n'ont pas appris des métiers manuels forcément. Ils arrivent comme ça en ville à la recherche d'un emploi, peu importe ce qu'on leur donne, gardinage, jardinage, quelque chose en tout cas qu'ils pourraient faire. Mais s'il y avait
un processus en fait de repêche de ces jeunes qui arrivent massivement du milieu rural pour les former à des emplois plus pratiques et plus adaptés à cette situation de crise, on gagnerait encore plus. Wow. En tant qu'entrepreneur, et quels sont les défis auxquels les jeunes sont confrontés quant à la recherche d'emploi pour trouver un emploi au Burkina Faso? Déjà, le marché de l'emploi est très serré. Le domaine privé n'a pas une grande capacité d'employabilité, il faut le dire. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises privées, mais combien sont ces entreprises qui peuvent employer des milliers d'employés? Ça se compte au bout du doigt, même les plus grandes peinent à le faire, c'est peut-être des centaines. Et donc, le domaine de l'employabilité également au Burkina, l'un des problèmes qu'il y a, c'est que les jeunes ont souvent les diplômes, mais n'ont pas la compétence elles-mêmes. Je prends un exemple. Quelqu'un peut vous avez besoin d'un directeur marketing, pas un directeur marketing, mais d'un commercial. Vous avez besoin peut-être de quelqu'un qui a une licence en marketing, un master en gestion en marketing. Vous allez avoir cette personne qui a le diplôme. Mais sur le terrain, les compétences qu'il a à faire valoir ne sont pas exactement ce à quoi vous vous attendez. Et bien souvent, on a des autodidactes qui n'ont pas forcément fait des grandes études, qui n'ont pas des diplômes dans le domaine, mais qui peuvent bien faire le travail. Donc, du coup, ça fait baisser aussi, que je dirais pas, en fait, l'attente auquel l'entrepreneur devrait payer, par exemple, un salarié avec un niveau master, il va revoir cela à la baisse parce que l'autre a un diplôme moins important, mais par contre, il a les compétences qu'il faut. Est-ce que cela n'est pas dû également au fait que les jeunes, disons certains jeunes, veulent également tout faire, il manque aussi de spécialisation? Oui, il y a le manque de spécialisation et il y a le fait que beaucoup de jeunes, à part ce qu'ils ont appris à l'école, ne savent pas faire grand-chose de leurs 10 doigts. Alors que dans le marché de l'emploi, on ne recherche pas des gens qui sont bons, on recherche des gens qui sont excellents. Et c'est-à-dire, au-delà de vos études, au-delà de ce que vous avez appris comme cursus scolaire, il faudrait que vous ayez une valeur ajoutée. Ça peut être une petite formation que vous avez appris, quelque chose que vous savez faire. En tout cas, quelque chose de inné à vous, que vous savez mieux faire que les autres, qui va vous faire, qui va vous départager ou vous démarquer. Parce que les gens sont tellement souvent focus sur les études qu'on passe à côté de certaines compétences de vie courante qu'on n'acquiert pas. Quand je prends, il y a des gens qui ont des diplômes en secrétariat, ils ont appris, ils savent très bien saisir, ils savent très bien faire ce qui est leur boulot. Mais quand on parle d'accueil, quand on parle de savoir-vivre, de manière d'aborder le client, lorsque une personne rentre dans l'entreprise, ils ne l'ont pas. Mais ils ont les compétences pour travailler derrière l'ordinateur. Donc moi, je dirais que c'est des choses qu'il faut cultiver. Donc s'il faut aller à l'école de la vie pour apprendre des compétences de vie courante, il le faut. S'il faut également apprendre des petits métiers manuels, afin d'avoir une plus-value sur le terrain, il le faut. Et ce que je voudrais également dire aux jeunes à la recherche de l'emploi, c'est de toujours chercher à se perfectionner dans un domaine donné. C'est-à-dire, si je suis dans le domaine du marketing, je prends un exemple, je suis dans le domaine du marketing, j'ai un master en marketing, je cherche de l'emploi, je ne trouve pas. Ça ne coûte rien, il y a pas mal de formations certifiantes qui ne sont pas très chères, où je peux payer pour améliorer en fait mes compétences dans d'autres domaines, parce que le marketing, ça va avec tout ce qui est communication, dont les outils de communication, comment maîtriser par exemple à faire des affiches, des flyers avec des applications précises. Donc il faut toujours chercher à se perfectionner pour pouvoir être compétitif, parce qu'on est dans un marché où on recherche de l'excellence. Et vous l'avez dit à l'entrée, l'insécurité impacte fortement les activités des entrepreneurs aujourd'hui au Burkina Faso. Malgré l'insécurité que le Burkina Faso traverse actuellement, est-ce que vous pensez en tant qu'entrepreneur qu'il y a quand même des secteurs qui s'offrent actuellement aux jeunes, dont les jeunes peuvent saisir bien entendu pour avoir de l'emploi? Dans tous les domaines d'activité, tous les domaines d'activité sont pourvoyeurs d'emploi. Il s'agit de trouver la manière de réadapter en fait l'activité à la situation actuelle du pays. Mais dit que tel secteur est porteur que d'autres, c'est en fait ce que les jeunes attendent généralement dans les émissions. Quand on leur dit c'est tel domaine qui donne,
et tout le monde va se lancer dedans. Il n'y a pas un domaine qui donne plus que l'autre. Il y a la manière de le faire. Si vous décidez aujourd'hui de faire une activité aussi banale que vendre des arachides, ça dépend de la manière dont vous allez le faire. Et c'est comme ça que ça va marcher. Si vous décidez d'aller, par exemple, dans le BTP, ça dépend de la manière dont vous allez le faire. Et qu'est-ce que vous proposez comme valeur ajoutée? Comme je le disais tout à l'heure, c'est souvent dans la manière de pratiquer une activité qui fait qu'elle peut être obsolète et ne plus être adaptée à l'évolution, aux circonstances actuelles. Mais tous les domaines d'activité méritent d'être revus en situation de crise. C'est-à-dire que si j'avais une activité qui fonctionnait il y a 10 ans, il faudrait que je puisse la rénover, la réadapter au contexte précis. Donc je pense que tous les domaines d'activité, sans exception, sont toujours praticables. Même l'agriculture où on a l'impression qu'il n'y a plus de terre, même l'élevage. Par exemple, quand je prends le cas de Fada, avec la route qui est d'accès difficile, on avait facilement le poisson de la Compienga à Fada qui était moins cher et tout le monde allait en chercher là-bas. Et maintenant, avec l'insécurité, on est obligé de faire des déviations, passer par d'autres pays voisins pour envoyer le poisson de la Compienga. Et donc, du coup, pourquoi les jeunes de la localité, par exemple, qui n'ont plus accès à ce poisson qui venait, peuvent se lancer dans l'élevage du poisson? Donc, c'est de revoir, en fait, et réadapter la manière de faire. Avant, les jeunes allaient carrément là-bas pour pêcher. Donc, pourquoi maintenant, le fait qu'on ne peut plus aller, trouver des manières pour accompagner les jeunes à rester sur place et à produire du poisson pour pouvoir subvenir à la demande, parce qu'il y a quand même une forte demande de ce poisson-là. Et donc, dans tous les domaines d'activité, l'élevage, l'agriculture, l'artisanat, l'électricité, dans tous les domaines d'activité, il faut toujours trouver des moyens d'innover, c'est-à-dire revoir même les produits, revoir les prix des produits, revoir toute la chaîne en fait, de fabrication du produit s'il le faut, pour pouvoir concevoir des produits adaptés à la situation actuelle et adaptés à la poche des Burkinabés en temps de crise économique. Mais quel est le constat, par exemple, que Princesse Poadiagé fait au niveau national? Est-ce que les jeunes ont des difficultés pour réadapter leurs activités ou, disons, ce qu'ils faisaient dans ce contexte d'insécurité? Dans ce contexte d'insécurité, pour avoir formé quelques personnes, je trouve que les gens sont assez ouverts à apprendre de nouvelles choses, à acquérir de nouvelles compétences et à être assez résilient, parce que le constat que j'ai pu faire, c'est que les jeunes sont assez résilients, jeunes hommes comme jeunes femmes confondus, ils sont assez résilients et ils sont aptes en fait à rénover, à se récréer et à s'adapter à cette nouvelle situation qui est là. Avec ce contexte d'insécurité, bien avant même l'insécurité, et actuellement, certains jeunes se lancent dans le e-commerce et pour trouver leur gagne-pain. Est-ce que vous pensez que le e-commerce, notamment sur les réseaux sociaux, peut pallier aussi au problème de chômage au Burkina? Le e-commerce est une très bonne chose. Ça peut pallier au problème du chômage au Burkina. Mais il faut noter que le e-commerce, c'est surtout en zone urbaine et dans les grandes villes. Par exemple, je fais du e-commerce, quelqu'un a Dori, il veut de la marchandise. Comment je lui envoie ça? Souvent, les voies d'accès sont un peu difficiles. Donc, le e-commerce, ça fonctionne bien en milieu urbain, mais en milieu rural, ce n'est pas évident. Donc, il ne faut pas généraliser. Et je pense que lorsqu'on parle d'employabilité au Burkina, on parle de la zone rurale, zone urbaine, tout confondu. Mais il faut noter qu'actuellement, le e-commerce, il n'y a pas de règles aussi dans le e-commerce. Tout le monde s'y lance, tout le monde le fait à sa façon et ça inonde le marché. Donc, il faudrait qu'on puisse revoir en fait des normes également, parce que dans tout type de marché, il y a des normes. Si vous décidez aujourd'hui d'aller vendre à Roboco, de prendre une boutique là-bas, il y a des normes, il y a des règles que vous devez suivre. Donc, je pense qu'il faudrait également qu'on canalise les choses. Parce que quand vous voyez sur Internet, il y a beaucoup de boutiques virtuelles qui font souvent perdre aussi confiance aux clients, si bien qu'il y a d'autres qui sont assez sceptiques aux boutiques virtuelles. Mais il y a beaucoup aussi qui gagnent leur pain à travers ces canaux de communication. Et c'est une très bonne chose, mais il faut juste canaliser. Nous avons la chance vraiment de vous avoir, donc il faut saisir toutes les opportunités dans un contexte de crise. Et je pense que les jeunes qui nous suivent actuellement ont bien compris le message. Mais d'aucuns aussi disent que l'entrepreneuriat serait
la seule solution ou bien serait l'option définitive pour résoudre le problème du chômage au Burkina Faso. Êtes-vous d'avis, comme vous êtes entrepreneur? Si tout le monde devient entrepreneur, qui sera le salarié de qui? Parce qu'il y a un débat souvent qui se fait sur Internet, souvent que je suis, et puis ça me fait assez rire, parce que tout le monde se clame entrepreneur et se dit qu'on a de valeur ajoutée pour son pays que lorsqu'on entreprend. Ce n'est pas vrai. Si vous êtes un bon employé, restez un bon employé, faites votre travail dignement, votre travail avec beaucoup de passion, et puis vous serez le meilleur employé qui soit. Si vous avez également la capacité d'entreprendre, soyez un très bon entrepreneur, un très bon employeur, parce que là, c'est vous qui employez également. Donc, dans tous les domaines d'activité, il s'agit de mettre de l'excellence dans tout ce qu'on fait. Si tu es fonctionnaire de l'État, fais bien ton travail. Ne te dis pas parce que c'est la fonction publique, je vais me lever à 9h, aller au travail, et à 14h, je rentre chez moi. Tu le fais bien comme si tu travaillais dans un privé. Si tu es entrepreneur, tu fais bien ton travail également pour servir ta patrie, c'est tout. Parce qu'il n'y a pas... Je dirais le secteur privé, c'est très important pour l'économie d'un pays. Mais il ne faut pas également demander à tout le monde de se réverser dans le secteur privé. Parce que le public a toujours sa place. Le public aussi a toujours montré ses compétences, tout comme ses limites également, auxquelles le secteur privé vient pallier. Mais ce n'est pas une raison de dire qu'il n'y a que l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est important. On encourage les jeunes à avoir de la valeur ajoutée, à avoir de l'innovation, à créer des entreprises. Mais il faut également voir sur la longue durée, parce qu'il ne s'agit pas de créer des entreprises. Actuellement, on est dans une dynamique où tout le monde veut créer une entreprise. Mais combien sont ces entreprises qui dépassent les 3 ans, 5 ans de vie? Qui résistent autant. Donc, il ne s'agit pas de créer des entreprises, il s'agit de créer des compétences qui puissent être appliquées, que ce soit dans le public comme dans le privé. Donc, si vous êtes bon, peu importe le domaine où vous vous trouvez, hein, que ce soit dans le public, dans le privé, que ce soit à ton propre compte, l'essentiel, c'est de faire du bon boulot et puis de le faire avec passion et de chercher à vraiment rendre service à sa patrie. Mais il ne faut pas se dire qu'il n'y a que l'entrepreneuriat. Ça, je ne suis pas forcément d'avis. Je suis entrepreneur. Avant tout, j'ai fait des études, j'ai un doctorat. Donc, je ne peux pas me permettre de dire que non, il faut laisser l'école et puis voilà, entreprendre. Parce que c'est des faux débats comme ça qui tergiversent actuellement sur la place publique et qu'il faut en douter certains. Donc, si vous êtes dans un domaine d'activité, allez jusqu'au bout, faites-le bien et ne vous dites pas forcément je dois lâcher pour entreprendre. Parce que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Il faut se dire la vérité. Tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Il y a des gens qui ont cette capacité-là de diriger, mais qui n'ont pas cette capacité d'être dirigé. C'est-à-dire qu'ils ne supportent pas faire le travail, ils ne supportent pas être employé de quelqu'un, mais quand il doit diriger, il a une très bonne capacité d'organisation, il a une très bonne capacité de management. Mais si lui-même doit faire le travail, ce n'est pas évident que ce serait aussi bon. Donc chacun a ses compétences, comme je le dis. Et il s'agit de cultiver l'excellence et puis voilà, l'appliquer dans tous nos domaines. Voilà qui est bien dit. Déjà, il y a certains jeunes au Burkina Faso qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat. Il y a également d'autres qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat. Mmh. Quels sont les conseils que vous avez à donner à ces jeunes-là pour éviter les pièges en matière d'entrepreneuriat? Parce que vous avez l'expérience dans ce domaine. Pour ma part, si j'ai un conseil à donner aux jeunes, avant d'être entrepreneur, il faut se faire former. Parce que l'entrepreneuriat n'est pas un effet de mode. L'entrepreneuriat, c'est, je le dirais, une passion, un sacerdoce. Donc, ce n'est pas un effet de mode. Ce n'est pas parce que telle personne entreprend que je dois également entreprendre dans tel domaine. Non. Donc, il faut bien se faire former. Parce que pour être médecin, on fait des études. Pour être enseignant, on fait des études. Pour être entrepreneur également, on fait des études. Même si cela peut paraître un peu abstrait, on va se demander, mais quelle étude il faut faire pour être entrepreneur? Il faut avoir un sens du management, il faut avoir un sens de l'organisation, il faut entreprendre dans un domaine que tu aimes et que tu maîtrises. Parce que pour faire valoir des compétences et même pour employer des gens pour faire le travail, il faut que toi-même tu aies une idée de ce que tu veux pour pouvoir diriger ces personnes à faire le travail exactement comme tu le veux. Et donc,
à part se faire former correctement avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est aussi de ne pas se laisser prendre dans le piège de certains entrepreneurs qui veulent vite réussir, qui se disent « je suis entrepreneur, il faut que dans 2-3 ans, je m'achète ma voiture, je construise ma maison ». Non, l'entrepreneuriat, c'est un processus. C'est un processus difficile. C'est un processus où il faut beaucoup de patience, beaucoup de courage et aussi tout le temps se remettre en cause et innover constamment. L'entrepreneur, on ne se repose pas. Parce que bien souvent, les gens ont l'idée « Ah, je suis entrepreneur, je suis mon propre boss, je pars au travail quand je veux ». C'est ça qui mystifie en fait les jeunes. Et les jeunes pensent que l'entrepreneur, c'est quelque chose de facile, où tu viens quelques années, oui, ça va être difficile, mais après, ça va aller. Il faut constamment travailler parce que l'entrepreneuriat, c'est pas une route qui est toute tracée comme ça. Ça peut être comme ça. Ça peut monter comme ça. Et après, ça redescend carrément. Donc, il faut avoir un mental d'acier. Ne pas se laisser perturber par les échecs, ne pas avoir peur de l'échec, être imperturbable parce que du jour au lendemain, tout peut s'écrouler. Il faut être prêt à toujours pouvoir tout reconstruire, comme j'aime le dire. Parce qu'on est dans un climat où les affaires, ça vacille. Aujourd'hui, ça peut aller demain pour une petite raison donnée, tu perds tout. Donc, il faut déjà se mettre dans la tête que je peux tout perdre et il faut que je me mette dans la tête que je peux également avoir cette capacité de tout reconstruire. Donc, il ne faut pas avoir peur de l'échec. Et aussi, ne pas vouloir prendre des gros prêts pour commencer. Essayer de commencer doucement et de grandir avec son entreprise. C'est comme ça qu'on maîtrise son entreprise. Parce que qui n'a pas géré 10 millions ne peut pas gérer 100 millions. Ça, ce n'est pas possible. Oui, voilà qui est très bien dit. Et au départ, on sait que vous êtes entrepreneur, mais seulement on va permettre à Princesse Podiagé, parce que nous avons juste quelques secondes encore avec nous, de présenter son entreprise et ce que vous faites. Alors, je suis la responsable de l'entreprise Assoué. Assoué qui est une entreprise spécialisée dans le vestimentaire, la création d'accessoires en perles, en paille, et le recyclage et la transformation des pneus usés. Assoué également fait dans la formation, dans les métiers du recyclage et de l'artisanat. Également, vous avez eu à former et des femmes déplacées internes dans plusieurs localités. Je pense que c'est quand même important d'en parler à cette émission. Disons que Assoué est une entreprise sociale et dans notre volet social, nous accompagnons les femmes déplacées internes, les femmes vulnérables, les personnes réfugiées à trouver de l'emploi décent. Et avec des petites formations, des coûts de formation, très impactantes, qui vont leur permettre de générer du revenu. Donc, à cet effet, on a formé au total, à ce jour, 615 personnes, dont majoritairement des femmes. Nous avons formé près de 285 femmes à Kaya, 115 femmes à Fada, et dans les autres localités du Burkina Faso, qui actuellement travaillent en synergie d'action dans le domaine du recyclage et de la transformation des pneus usés. Et voilà, ça fait un triple impact parce que ça permet d'assainir le milieu lorsqu'elles recyclent les pneus. Ça permet aussi de faire des revenus, donc un impact économique. Et ça permet de lutter contre les maladies telles que la dengue parce que ça permet d'assainir, de lutter contre la prolifération des moustiques. Donc, c'est vraiment une activité que ces femmes-là abattent dans les provinces. Voilà, parce que nous sommes au centre-ville ici, mais dans les provinces où nous avons formé, elles arrivent quand même à s'en sortir avec cette activité. Elles font des merveilles grâce aux formations qu'elles ont reçues. Je savais qu'il était vraiment important que vous parliez un peu de cet aspect-là, parce que nous sommes en période de crise et chaque jeune qui peut apporter sa contribution doit vraiment l'apporter pour faire bouger ou faire changer les choses. Exactement. Quel est le message que vous avez à lancer à l'endroit de tous ces jeunes-là qui nous regardent actuellement, parce que nous sommes pratiquement à la fin de cette émission? À l'endroit de tous les jeunes qui nous suivent, sachez que vous êtes le changement que vous voulez voir aux autres. Donc, si vous désirez un Burkina meilleur, si vous désirez un Burkina florissant économiquement et en paix, c'est à vous d'être ce changement-là et d'impacter toutes les personnes qui sont autour de votre communauté. Donc, c'est la fin de cette émission. Merci d'être passé sur ce plateau, Princesse Podiagé Assoué. Merci.
C'est un plaisir pour moi de vous recevoir. Plaisir partagé. Je rappelle aux téléspectateurs que j'étais en compagnie de Princesse Poidiagé Assoué. Elle est chef d'entreprise. Elle a été Miss en 2017. Et aujourd'hui, nous avons échangé sur le thème « Employabilité des jeunes au Burkina Faso, défis et opportunités dans un contexte d'insécurité ». Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission de Parlons Droits Humains. Au revoir et à la prochaine.